Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Denis. Il s'est amusé à clasher tous les départements d'Île-de-France. En même temps, il fait régulièrement des passages dans les palaces parisiens, du coup il a eu le temps de se balader un petit peu de partout dans Paris. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que le PSG que Mohamed Denis ne porte pas dans son cœur. Il prend un malin plaisir à clasher Paris. Du coup, je vous laisse découvrir les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Une pensée pour les habitants de Sevran, les gars. La vaccination commence à Sevran aujourd'hui. Sevran, après la vaccination, c'est Sedan. Oula, ça va se transformer. Déjà que les habitants de Sevran, ils sont pas tranquilles, frère. Alors après le vaccin, je vous raconte pas, les gars. Oula. J'ai fait le tour de Paname, les gars. Oula, Sevran, c'est Sevran. Mère. Après, t'as Aubervilliers. Tous les habitants d'Aubervilliers, c'est des chauffeurs Uber. C'est Ubervilliers. Oula. Après, t'as Vitry, les Vitriotes. Oula. Des laveurs de vitres. La vie de ma mère. Des remplaceurs de vitres. Oula. La vie de ma mère. Tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis Vitriote. Oula. Les Vitriotes, les Papillotes. Après, t'as quoi? Après, t'as la Courneuve. Oula, il n'y a rien qui est neuf. C'est la cour d'occasion. Que des occasions là-bas. Après, t'as Mantes-la-Jolie. Oula. Mantes-la-Jolie, ça fume que des chichas à la menthe. Voilà, double pomme la jolie. Après, t'as quoi encore? Et après, t'as Sarcelles. Voilà, c'est banlieue 13, Sarcelles. La vie de ma mère, personne ne peut y rentrer. Pas parce que c'est interdit, parce que c'est nul. Voilà que c'est vrai. La vie de ma mère. Après, Mantes-la-Jolie, je vous ai dit, fumeur de chicha menthe. Voilà, palmarès de Mantes-la-Jolie. On a tourné la haine chez nous. Voilà, c'est plus la haine, c'est la flemme. Il y a des chômeurs de nos jours. Voilà que c'est vrai, les gars. Après, t'as quoi? Comment il s'appelle, le Blanc-Ménil. Oh là, on dirait un dessert. Le Blanc-Ménil, on dirait pas un dessert. Monsieur, je vous mets quoi? Une île flottante? Un fondant ou du Blanc-Ménil? Oh là, ou un petit verre de vin blanc, le Blanc-Ménil. Oh là, les gars, c'est quoi? C'est, on a Paname, on a Bordeaux. Le Blanc-Ménil, le Blanc-Ménul. Oh là, la vie de ma... Je comprends pas. Tu vas à Paris, dans les banlieues à Paris, ils font tous 2 mètres, les mecs. Oh là, l'Ardim. Vous avez mangé des haricots magiques ou quoi? Ils font tous 2 mètres à Paname. Oh là, ils ont des corps surdimensionnés. Ce que je comprends pas, t'as Paname. Les mecs, ils font tous 2 mètres. Tu vas à Orléans, ça a 1 heure, il n'y a que des nains. Oh là, que des petites tailles. La vie de ma mère. Oh là, frère, tu vas à Mulhouse. Oh là, ils sont tout petits, les mecs. Tu fais 1 heure de route à Paris, il n'y a que des géants. Oh là, Jacques et le haricot magique, là. Et les géants. Oh là, ils sont tous grands à Paris. Vous mangez quoi au petit-déj? Oh là. Vous mangez des humains ou quoi? Ouais, Momo, t'es jalouse que t'es petite taille. Petite taille, petite taille. Sous prétexte que j'ai un physique pas imposant. Je serais forcément petite taille. C'est quoi ce rafut?